Donc, les banques font des pyramides de Ponzi en toute légalité? Non, pas vraiment. Les banques ne sont pas généralement des pyramides de Ponzi. Pour expliquer la différence, ça vaut la peine d'aller au tableau. Dans un système d'investissement organisé normal, on a généralement un promoteur qui prend l'argent d'investisseurs pour les investir dans un investissement quelconque. L'investissement génère des profits qui sont redistribués entre les investisseurs et le promoteur lui-même. Ça, c'est une description très générale qui s'applique à des fonds d'investissement ou même à des banques qui font des prêts. Dans un Ponzi, il n'y a pas d'investissement. Pour former un Ponzi, le promoteur du Ponzi commence généralement par viser un premier groupe d'investisseurs. Il va viser des personnes influentes et riches, mais qui n'ont pas nécessairement une bonne connaissance financière. Il va généralement leur dire qu'il va faire des investissements sophistiqués, très compliqués, qui vont leur générer des très très gros bénéfices. Et les premiers investisseurs vont embarquer. Le Ponzi va généralement encourager les premiers investisseurs à en parler à leurs amis. Et comme c'est des premiers investisseurs qui sont influents, d'autres amis vont probablement embarquer aussi. Le Ponzi va ensuite utiliser l'argent du deuxième groupe d'investisseurs pour repayer des bénéfices énormes au premier groupe d'investisseurs et se prendre sa propre part. Le premier groupe d'investisseurs va recevoir des gains vraiment très impressionnants et va le dire à tout le monde. Et comme c'est des personnes influentes, ça va attirer encore plus d'investisseurs. Et le Ponzi va répéter le processus en utilisant l'argent du troisième groupe d'investisseurs pour repayer le deuxième groupe. Ce deuxième groupe d'investisseurs-là aussi voit d'énormes gains, ce qui attire encore plus d'investisseurs. Et là, vous voyez tout de suite le problème, ça demande à chaque ronde plus en plus d'investisseurs pour que le système continue de fonctionner. Éventuellement, ça marche plus et quand ça s'effondre, la majorité des gens perdent leur argent. Pendant que le promoteur du Ponzi, lui, ben, généralement, il essaie de disparaître avec la majorité de l'argent qui a été récolté. Évidemment, je simplifie, mais essentiellement, des stratégies du genre, ça existe encore aujourd'hui. C'est pour ça que quand on regarde quelque chose qui est présenté comme une opportunité d'investissement, il ne faut pas trop prêter attention à combien de bénéfices les premiers investisseurs se sont faits. Il faut regarder les éléments fondamentaux de l'investissement réel et surtout bien comprendre dans quoi on investit. Et se rappeler que investir dans quelque chose qu'on ne comprend pas, même s'il y a des personnes qui ont déjà fait beaucoup d'argent en faisant la même chose, c'est très dangereux. Si vous n'êtes pas capable de comprendre comment votre investissement génère de l'argent, vous ne devriez peut-être pas investir.